Raoul Tarot, c'est du vent offshore ce matin sur la canot. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence avec un temps qui est dégagé à timidement variable, une température extérieure qui picote à 2 degrés dans l'air, dans l'eau 11 à 12 degrés. Cet après-midi, un temps variable à couvert, une température à 9 degrés. Une marée qui est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 13h25 avec des coefficients à 1,95. Et sur cette descendante, ben, le vent est toujours au nord-est, mais il ne se lève pas. Il est faible à modéré, il y a un beaufort établi, des rafales à 2. Il y a 4 km/h établi, des rafales à 7. Donc c'est pas très fort. On a un plan d'eau qui est plus ridé que ce matin, des phases de vagues qui sont lisses. Et une petite houle longue de 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest en thématique multipique et à la hausse avec 30 à 40 cm en déferlement régulier, 50 cm. Sur la plupart des séries, de temps à autre, il y a un petit 70 cm mais qui est très rare. Là, on voit le spot de la centrale qui concentre, où on arrive à voir un petit 70 cm un peu plus fréquemment, mais les autres zones au nord et au sud, là, c'est 50, pas plus. Donc des petites vagues en pic, il y a un peu de période, un peu de ligne, et là, le pic à la centrale, ça fait, vous voyez comment ça fait là? Ça concentre un peu la houle, vous voyez celle-là derrière là? Il y a un bon 70, mais il n'y a que là que ça fait ça. Donc il y a des petits bouts à attraper, et il n'y a que là qu'il y a une personne à l'eau, fortement motivée ce matin dans la fraîcheur, parce que ça pèle sévère. Donc il y a des petits bouts, les autres spots c'est pas fou, la note LSI du matin c'est 1,5 sur 10, c'est à surfer avec une planche adaptée, avec une grosse motivation, une grosse combinaison. Un conseil, n'y allez pas en short. L'évolution pour le reste de la journée, la boire cachant Gascogne est stationnaire depuis minuit jusqu'à maintenant. Dans les 1m10 et 5 secondes, la houle va être stationnaire à la mi-journée. Elle devrait peut-être s'intensifier un peu cet après-midi et ce soir, car la boue et Brest a eu un pic à minuit. À 1m70 et 5 secondes. Mais cette rentrée de houle, là, elle va arriver avec la marée haute, avec des gros coefs à avoir. Pour ce qui est du vent, c'est un vent qui devrait s'orienter au nord-nord-est et se renforcir. Donc, les prévisions à 9h, c'est 50 cm, quelques séries au-delà. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de nord-est, 1-2, 1-2. Et à 13h, 50 cm, ou quelques séries au-delà. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-est 2-3, et à 17h50, 70 cm, peut-être un peu plus établi, à prendre avec des pincettes, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-est 3 beaufort, des vagues qui devraient être un peu plus perturbées par le vent au nord-nord-est pour le reste de la journée, a priori le meilleur créneau, il est en fin de matinée, début d'après-midi. Le prochain point, lui, il est à 11h30. Là où l'on va essayer.